factory, c'est déjà quoi? En réalité, ce n'est pas un accélérateur, ce n'est pas un incubateur. On ne sait pas ce qu'on est exactement, mais on a une mission qui est très importante. C'est permettre aux startups d'accès au marché. Et donc, de cela, en fait, on accélère la collaboration entre les startups et les grands groupes, de façon à déployer l'innovation des startups chez les grands groupes, parce qu'ils sont dans cette phase de transformation digitale, et ces grands groupes donnent des contrats et des références à des startups qui leur permettent de retravailler avec d'autres grands groupes. Alors sur 2018, on a accompagné exactement 50 startups, 24 ont pu obtenir des bons de commande, 16 ont pu avoir donc du financement, 8 ont déjà déployé leurs solutions sur le terrain, 2 ont pu lever des fonds par la suite et récemment une a été rachetée. Les activités de la factory ne s'arrêtent pas qu'au Maroc. La moitié de nos programmes sont panafricains, incluant plusieurs pays comme le Ghana, Nigeria, la Côte d'Ivoire, Sénégal, bien sûr la Tunisie et Burkina Faso. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est dans une phase d'accélération. Des startups, il y en a, et il y en a dans tous les secteurs. La preuve, c'est que si vous avez vu, on va dire, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup, on va dire, d'événements, des salons, et à chaque fois, il y avait un village startup dans ce domaine-là. Donc la startup aujourd'hui se spécialise et il existe dans tous les domaines. Maintenant, si on se compare bien sûr à la Silicon Valley, il n'y a pas photo, on n'est pas encore à ce niveau-là, et on ne le sera pas demain matin. Si on se compare par rapport à la Tunisie, on n'est pas très très loin. Si on se compare par rapport au Nigeria, à l'Afrique du Sud, au Kenya, on est en retard. La même chose par rapport à l'Égypte. Mais je pense que le Maroc a une opportunité de se positionner comme un hub des startups africains parce qu'il y a énormément en fait, de points positifs au Maroc. Si j'ai monté la factory, c'est d'abord pour faire du give back à ma communauté. Et dans la même lignée, donc je travaille au niveau de la PB sur le pôle startup. Et on a un plan d'action qui est relativement très simple, un, fédérer des startups. Et à la PB, on a réussi à fédérer plus de 50 startups aujourd'hui en un an. Deux, leur apporter de la valeur ajoutée avec des services. Et aujourd'hui, il y a plein de services qui sont proposés aux startups, localement et internationalement. Mais aussi de défendre le Startup Act, qui a été proposé au gouvernement et sur lequel on continue à travailler. D'ailleurs, le vendredi 26 avril, l'APB organise les assises de la start-up, donc pour préparer justement les assises de la fiscalité et d'autres grands événements qui vont venir pour être prêts à proposer ce Startup Act à notre gouvernement pour qu'il puisse l'implémenter. Au niveau de la CGM, j'ai un rôle, on va dire, aussi complémentaire. Donc, ce n'est pas sur le volet start-up, mais surtout sur le volet corporate et économie numérique et tout ce qui est nouvelles technologies, où j'essaie de travailler avec les grands patrons pour faire en sorte de les acculturer par rapport à l'importance d'utiliser les technologies de rupture dans leur quotidien, dans leurs différents secteurs d'activité, pour qu'ils ne soient pas disruptés demain par d'autres acteurs, on va dire, internationaux ou d'autres pays qui sont en compétition avec le Maroc.